Salut tout le monde, c'est Globbooster. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons briser 10 mythes et un mythe secret en fin de vidéo. Le premier mythe dit qu'il y aurait apparemment un message caché dans le café. Il serait situé juste en haut à droite. Vous voyez, situé en haut à droite, juste ici. Oui, il y a un mot. Il écrit. Il existe. Il existe alors. Du coup, le mythe est validé. Alors, vous voyez, il y a le bilan. Il y a le permanent. Quand on est sur l'eau, on peut marcher sur l'eau. Est-ce qu'on peut marcher sur la lave? Ça, c'est une bonne question. Et attention, nous allons le voir tout de suite. Est-ce qu'on peut... Ah non, on va essayer, peut-être en activant la vie. J'ai l'impression qu'on prend moins de dégâts. On va essayer d'y retourner sans le Bouddha. Ouais, non, on prend pas. Ah, si. Mythe démystifié, hein. On prend quand même les dégâts. Prochain mythe, apparemment on s'y croit. On pourrait faire pas le même nombre de sauts sur les différentes plaques. Du coup, on se retrouve en s'y croit. Je suis pas. Apparemment, ouais, là on peut faire plusieurs sauts normal quoi. Mais ici, ah ouais, ici on peut pas faire de plusieurs sauts là, des air jump là. Ici, ici c'est pareil. En fait, c'est sur les plaques jaunes on peut faire plusieurs sauts, mais pas sur les plaques bleues. Bah, du coup, mythe validé. Et du coup, pour le prochain mythe, on se retrouve en C1. Et arrivé en C1, apparemment, on pourrait faire sortir Shanks de sa grotte avec le feu du portail. Hop, on a Shanks. Là, déjà, on va essayer de le faire sortir comme ça. Là, comme vous avez vu, on peut pas y aller. On peut le faire venir sur nous. Et là, avec le F, pareil, essayer. Ah ouais, non. C'est des malins, ils ont mis un mur. Ah, ouais, il est mort, chance. Bah non, du coup, un mythe démystifié, on ne peut pas faire sortir chance de sa cage, bah, de sa grotte. Prochainement, on va les Wapper Kung Fu. Du coup, on se retrouve. Alors, comment on ouvre cette porte? Hop, j'y suis déjà. Hop, on équipe les Wapper Kung Fu. Apparemment, la patrouille mortelle aurait une range infinie. On va juste mettre Fortress de la Marine en hauteur. On va vérifier ça. Oula! Oui, grand range. On va voir si ça continue, je sais pas. On va tirer vers l'île des cieux là-bas. Là. On tire vers l'île des cieux. On va se TP à l'île des cieux. Le ciel. Est-ce que l'attaque arrive?
J'ai pas l'impression. Bon bah du coup l'attaque a une grande range mais pas non plus infinie. Ou alors elle est infinie mais c'est le temps qu'elle arrive et que je l'ai pas vue. Du coup mythe validé. Pour le prochain mythe, c'est est-ce qu'on peut mettre un bateau dans le tourbillon là pour accéder au mode sous-marin dans la CIA. Hop, Vous voyez un tourbillon comme ça là, mais à l'extérieur. Hop. On va prendre un bon bateau là, hop, bateau de sous-marin. On va tester, voir si ça fonctionne. Prendre de la vitesse. Et non, on ne peut pas. Le bateau est rejeté par le tourbillon. Et comme vous le voyez, j'avance, mais je me fais rejeter par le tourbillon. Du coup, mythe démystifié. Alors, pour le prochain mythe, il faut avoir un fruit in store. Donc, un fruit qu'on vient de spin. Donc, on se retrouve quand j'ai assez d'argent. Oh bah tiens, j'étais en train de faire un whisper et puis j'ai obtenu son bazooka. Oh bah, coup de chance. Hein. C'est quoi les pourcentages de drop de cette arme? On va regarder un petit peu. Et du coup, on se retrouve quand j'ai assez d'argent. Oh là là, mais c'est quoi ma chance aujourd'hui? J'ai obtenu le mousquet amélioré de l'amiral de Magma. Je ne l'avais pas, je l'ai obtenu. Donc je garde le bazooka. Ouais, on va garder le bazooka. Et du coup, à la prochaine. Et du coup, on se retrouve, j'ai assez d'argent pour acheter mon petit fruit. Et en même temps, ça va aussi me permettre de faire le mythe à tout plus de chances de se avoir un fruit. Quand c'est 3, quand c'est 2. J'ai déjà fait le spin en C3 hors caméra, donc voilà, mais je vous montrerai un petit clip de moi qui spin. Non. Le spin au fruit du gacha. Dans l'autre vidéo, vous pourrez voir quel fruit j'ai mis, bien sûr. Ah! Ce sera pas très très dur à battre, si vous voulez mon avis. C'est pas franchement incroyable. Je peux le store? Ouais, ça me fait bien. On me fait 2 spins, 2 hachés, 2 kilos. Ouais, ok. Tiens, lui il me propose un petit trade. Alors, qu'est-ce qu'il a me trade? Moi j'ai Phoenix si tu veux, j'ai pas barrière parce que pour le mystère. Ouais, j'ai réanimé glace. J'ai réanimé glace contre tremblement. Sinon, est-ce qu'il va accepter? Accepte. Oh, light. Oh, bah moi j'accepte. Hein. Light de très beau fruit. Je pourrais vous le faire gagner si vous voulez. Il a diamant. Non. Pas de dés. Non, par contre, ça vaut pas. Du caoutchouc contre light. Non. J'en ai rien à faire de ton diamant. Moi, je veux un meilleur fruit. Allez, donne ton light là. Moi, je veux light. Bon, bah tant pis. Et du coup, je vais faire un mystère.
ce 8 mystère étant si 1. Donc, bah, je repasse. Oups, ce sera si 3. Alors. Et en vrai, il faut du portail en plein milieu, je peux le faire. Hein. C'est très très pratique pour se déplacer. Franchement, je pense que c'est les meilleurs trucs que vous pouvez acheter en permanence. Il y a quoi aux fruits du gacha? Bah, au vendeur de fruits. Vous voyez, il y a flamme et ténèbres. Ok, bon, rien de ouf. Et aussi, un petit truc comme ça. Normalement, quand vous parlez à un personnage, vous voulez pas vous déplacer pendant que vous parlez au personnage. Voilà, mais si jamais vous parlez au personnage, le fruit du portail est bon, bah, quand vous cliquez, ça fait un petit dash. Après, vous pouvez pas changer sur le bord, vous pouvez vous déplacer. C'est inutile, on va faire ça. Alors du coup le mythe bonus, il se déroulerait à l'île sous-marine. Et ici là, juste ici, bah, dans le boss, là, on va aller prendre la quête, hein, parce que c'est toujours de l'argent de prix. Hein. En vrai, très facile à battre ce boss. Après, je dis ça aussi, parce que c'est une bonne façon, mais il n'y a pas de sens. Hop, du coup, le mythe mystère, vous aurez besoin du fruit de la barrière. Hop. Vous mangez le fruit de la barrière. Et avant de vous montrer le mythe mystère, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Ça me fera beaucoup plaisir si vous voulez d'autres vidéos de ce concept. Et laissez un commentaire pour une idée de vidéo que vous aimeriez que je fasse. Vous voyez, il y a toutes les attaques. Il y a l'attaque surprise, comme ça vous faites un saut en l'air. Dans cette attaque-là, vous allez la faire dans la pièce. On a fait l'attaque surcharge. Et après, j'ai une petite dernière technique pour les personnes qui jouent sur PC comme moi. Une petite technique assez pratique. Et là, hop, vous faites attaque surprise. Et hop, vous vous retrouvez dans le toit. Ah, j'ai raté. Ouais, si, c'est bon, regardez. Je suis dans le toit. Si jamais, ouais, c'est ça, regardez, je suis dans le toit. Là, je suis bloqué à l'intérieur du toit. Si jamais vous faites un joueur à cache-cache ou un truc, ça peut être très pratique. Pour ressortir, vous avez juste à refaire l'attaque X. Du coup, ça vous enverra au-dessus. Vous voyez, moi, j'étais là, dedans. J'étais dans ce truc-là. Voilà. Et du coup, pour le petit dernier, et pour ceux qui sont sur PC seulement, je sais pas si j'ai pas essayé sur téléphone, donc je ne pourrais pas vous dire. Et comme vous nagez comme ça pour pas taper, vous cliquez sur le code. Et comme si vous vouliez taper un texte, vous lâchez tout. Et puis c'est bon, le jeu va vous faire avancer tout seul, comme ça. Tranquille. Et c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Globetoaster. Au revoir.